Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Un vlog qui commence très, mais très très mal. Parce que ça fait 4 jours que je patiente, que je suis en attente d'un colis dont j'ai besoin pour ma prestation de samedi. Et depuis, Colissimo me font danser. Je sais pas s'ils pensent que l'un va avoir notre colis ensemble, mais il me faut absolument mon colis. Mais vraiment. Après, j'ai acheté des nouveaux fonds de teint. Mais c'est vraiment pas le fond de teint que j'ai envie d'utiliser pour ma prestation de samedi. Donc il me faut absolument mes fonds de teint. D'ailleurs demain c'est mon anniversaire. Voilà. Mais je vais aller au taf. Je vais commencer d'abord par mettre mon bœuf au feu. Et ensuite je vais me coiffer. Et il faut savoir qu'au taf, ils vont décider de fêter Noël. De s'offrir mutuellement des cadeaux. Le minimum c'était 5 €. Du coup, moi je suis du style, en fait j'aime bien les cadeaux qui perdurent dans le temps. Vu que c'est dans le cadre de Noël, j'ai acheté une boule à neige qu'elle pourra poser sur son bureau. C'est trop mignon. Bon, c'est un chat, hein. J'aurais préféré que ce soit autre chose qu'un chat. Mais bon, il n'y avait que ça. Et j'ai dépassé le budget. C'était 5 € minimum. Je ne suis pas la fille de Macron. Hein. J'espère en tout cas que demain, je ne vais pas tomber sur une personne qui va m'offrir du café. Parce que j'ai entendu des échos là. Ouais, ouais, ouais. Bon anniversaire à toi, Déborah. Longue vie à toi. Il passe à Aigle. Longue vie à toi. Ça m'appelle sur abonné, rebellé. Coucou la team color, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi et c'est mon anniversaire. Bref, là, il est 7 h. Regardez ma coupe. Hier, en fait, tellement que j'étais KO dès que je me suis coiffée, j'ai mangé vite fait, j'ai dormi. Je vais mettre ma base de chez ELF. Si c'est le... celle-ci est finie, mais bon, j'en ai déjà une autre, donc voilà. On m'a demandé d'arriver à 8 h, mais qui va aller à 8 h alors que de base on commence à 9 h? Et surtout, aller à 8 h pour des croissants. Genre, je me réveille peut-être à 6 h, 6 h 30 pour aller au taf. On allait pas croissant, wesh. Et peut-être, bah, on peut faire un souki tasse, souki café, comme cadeau, wesh. Ça va pas ou quoi? Et donc, le vélo consomme. Je vais mettre un peu d'anticerne pour enlever l'effet fatigué. C'est quand même mon anniversaire. Hein? Et. J'ai oublié mon fixateur, j'arrive. Ça c'est ma nouvelle technique estomper avec une coupelle. Je trouve que ça fout davantage qu'avec un beauty blender. Et ensuite je vais prendre ma palette de chez Claire Début Artistry. Pour faire mon buzz, je prends la teinte Lueur et Pride. Un make-up, t'as peur, mais ça va. Puis un peu de mascara. Oh, mon délice qui lale. J'habite dans un village, je vous jure. Je me mire.
et je me fais des clés d'œil, je me demande, c'est qui ces mignons? Je suis grave en avance, tout ça pour arriver au moins à 8h45, 8h50, comme ça je donne mon cadeau et basta. Dans la joie, vous rentrez avec la commande. J'ai pas pris les fonds de teint Nars Radiant, j'ai plutôt pris du soft matte parce que je suis une personne, j'aime beaucoup le maquillage mat et le radiant, je kiffe pas trop. J'aime pas le fait que le fond de teint et l'huile se séparent en deux en disant. Ils m'ont mis un petit parfum. Je suis pas très parfum non plus, mais c'est pas grave. Mes chouchous, mes bébés, mes... Ah, mais... Hey, non, ça fait la commande que j'attendais. Vous vous rendez compte, genre, si aujourd'hui je serais rentrée chez moi sans ça, sans mes fonds de teint, hey, j'aurais pleuré, j'aurais été en panique. Du coup, j'ai pris deux teintes pour commencer mon kit. Alors, j'ai la Medium Deep et la Medium Deep. J'ai la teinte Marquise et Cadiz. En principe, Cadiz c'est la plus claire. Ici on a Cadiz et Marquise. Voilà. Hey, je suis trop contente. J'ai commencé mon kit avec du Nars. Ça m'émeut. Coucou, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai dormi super tard. La vue, l'heure à laquelle je suis sortie, obligée. J'arrive en retard, mais obligée. Mais oui. Là, je vais récupérer ma petite cousine et après on va descendre sur Paris pour demain. Donc, let's go. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi et c'est le jour où j'ai resté. J'ai maquillé Daniel pour son mariage coutumier. Je stresse un peu parce que... c'est pas comme si c'était la première fois que je la maquille, c'est une personne que j'ai l'habitude de maquiller. Sauf que là, me dire que en fait, c'est moi sa glam team. C'est pas genre je fais partie de sa glam team, non, c'est moi sa glam team. Alors, je vais la coiffer et maquiller. Et elle est 6h. Pour vous dire que je me suis réveillée depuis 5h30. J'ai un peu arrangé vite fait les affaires que j'avais sorties hier. Pour revérifier que j'ai bien tout pris. Et là, ben, je vais me doucher. Ensuite, je vais réveiller les filles, vu qu'elles vont m'accompagner. Elles viennent avec moi directement. Et voilà. J'espère que je vais être ça. Et voilà. Aujourd'hui, c'est la date de Yadaniel. Aujourd'hui, c'est gâté. Donc, nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Donc, nous avons eu un peu de temps. Donc, aujourd'hui, c'est gâté. Donc là, on s'en va vers le 7-7. Allons! Faut pas faire la.
C'est ça.